Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle saison de Goûte à tout, mais cette fois-ci, direction l'Afrique du Sud. Let's go! Bonjour. Welcome. Ça va et vous? Ça va bien. Ouais. Allez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre passeport, s'il vous plaît. Tenez. Votre destination finale, c'est pour Cape Town? Cape Town, c'est ça. Et là, nous allons voyager avec South African Airways, qui est une compagnie connue pour la ponctualité, le service à bord et surtout, primordial, la sécurité. Les amis, voilà, j'ai été invité par nos partenaires de la South African Airways dans le lounge et je passe un super bon moment et je vais pas tarder à prendre l'avion, donc tout de suite. Alors on y va les amis? Pour aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire la queue, donc ça va. Dans un avion, après 3 ans. Ça fait du bien là, hein? Du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Et comme ça... Ça les amis, c'est l'avion sur lequel nous allons voyager, de South African Airways. Je vous retrouve à l'intérieur. Good. Oh, good. Geez. Oh, these are the. You can go through here around the corner. Thank you. 40. Okay. Wow. C'est où? Non, je crois que j'ai dépassé déjà. Ouais, c'est pas ici. 62. Et là, je suis à 45H. J'ai été trop loin. Le premier à rentrer dans un avion. 45H. On est en début, en fait. 47, 46, et on est là. Je pense que j'ai trouvé. J'espère. Bon, on verra, ils vont peut-être me bouger. Non, c'est bon, voilà, c'est ça. C'est 45H, donc moi c'est H et ici c'est K. Super, super. On est bien. On est bien les amis, on va s'installer. Et on se retrouve dans un petit moment. On va arriver à Cape Town International Airport. Alors voilà les amis, on vient d'atterrir Cape Town International Airport. Le vol s'est super bien passé. Juste avant d'atterrir, quelques gros éclairs juste en dessous de nous que je n'avais jamais vu avant en voyageant. Mais là, on est safe, ça va, j'ai posé les pieds sur la terre. On va aller se reposer et on revient demain pour visiter Cape Town. Hello
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In the sound of silence. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Dans Cape Town, et en Marisol est en Zodi, mais mon compte qu'a profité n'a pas l'étude d'hélicoptère que je dis. Allez! Good morning! Good morning, how are you? I'm good, how are you? I'm good, do you have a flight with us today? I do have a flight to you guys. Okay, your name please? Ted. Ted, awesome. So how will you be making payments today? I'll be using my UnionPay Diamond card. Awesome. So with UnionPay, you get a 5% discount. Yeah. As well as a 750 Rand free video package. This is amazing. Good. Thank you so much. Hello. Thank you. Fini rempli tout bon papier qui vient rempli, fait tout bonne formalité, banane prend mon poids, etc. Et là, nous attend Déo qui va adresse tout bon hélicoptère, faire une mesure de safety. Après que ma pilote vini, nous monter, nous aller. Welcome to Gordon. Let's enjoy Cape Town. Yeah, let's go! Alors, là, maintenant, le stade de foot de la Coupe du Monde 2010. Wow. Magnifique. Magnifique. Alors là, le pilote vient de nous 2500 pieds au terre. This beach in the corner is Sandy Bay, which is the nudist beach. Alright. And then there in the valley, that's Hope Bay, with the road of Chapman's Peak Drive, which is the road there across the mountain. We often have a very strong southeasterly wind, which is coming from that side. Yes. And in the southern hemisphere, there's a lot more ocean mass. Yes. So the wind has a chance to pick up a lot more speed, because the mountains and the land causes a lot of friction, so it slows the air down. All right. But over the water... Oh, okay, all right. Over the water, it has the means to accelerate without any friction. Okay. And that's why Cape Town often gets... That is good to know. Very strong wind.
which is not what we have today. So that's the normal kind of win. Yeah, this is normal for Cape Town. All right. Là, c'est la plage à Cape Town de Van Schaeffer. Vous pensez juste à la s'y trouver. Oh, this hook is that water? Yes. There were five dams like that built on the back of Table Mountain. Wow! And to catch rain for drinking water. Okay. Et là en bas, nous avons un jardin qui date de plus de 100 ans et que là-dedans, il y a 7000 plantes endémiques. En bas, c'est ce qu'on appelle le Castle of Good Hope et ça, c'est le premier bâtiment qui vient construire dans la ville de Cape Town. C'est une expérience vraiment inoubliable. Nous avons envolé, nous avons fait le tour de Cape Town en entier. Et Mouka Djazokisa, la villa, c'est une ville vraiment magnifique. Nous passons l'eau, le Table Mountain, et là-bas, nous trouvons qu'ils ont construit un réservoir pour ramasser de l'eau depuis on the top, depuis là-haut, le mountain là. Et aussi, nous trouvons le Greenpoint Stadium, qui est le stade de foot pour la Coupe du Monde 2010. Nous trouvons un parcours de golf, la case avec une piscine là-dedans, bien sûr. Et voilà un peu, c'était vraiment bien. Et j'ai vraiment apprécié ma première expérience d'un hélicoptère. Après la pause pub, retrouvez-nous pour la suite des aventures sur GoTattoo. Elle était là, assise devant moi à la sortie des cours, belle, souriante, rayonnante. J'ai longtemps hésité à l'aborder et puis... J'attendais après les cours, il s'est avancé vers moi et m'a invité à dîner. Il avait l'air timide, mais déterminé. Je lui ai répondu que j'accepterais si, et uniquement si, c'était lui qui me cuisinait quelque chose. Je l'imagine en cuisine, concentré, discipliné, propre sur lui, un cordon bleu. Il a l'air de maîtriser. Le rêve, ce gars! J'ai vraiment hâte de découvrir les bons petits plats qu'il peut bien me jeter. Charmant, déterminé et en plus efficace en cuisine! Je savais qu'il m'épaterait. Et sinon, voici ce qui s'est réellement passé. J'étais tranquillement assis dans mon canapé avec mon journal lorsque le petit est arrivé en panique, me disant qu'il avait invité une fille à dîner, mais qu'il allait, lui, cuisiner. Cela m'avait franchement rigolé. Je lui ai alors proposé les pots de ce délicieux Tali. Tali. Anyone can cook. Quand ta raille comment santé, quand t'aimes un peu comment souffler, quand pof à la cuisine, fan partout dans la case. Mourabelen moyaz, exoti pourri soso avec saucette curry. Dix pains frits, samoussa, gâteau brinzel, gâteau piment. Un bon timinoui ou un bol 10 avec saucette poivre, ça qui lit. Ou un grillade entre amis. Marinade lavante, oh bonhomme. Il est toujours fidèle à nous banons. Ça même l'héritage de grands-parents. Merci, Maï. Alors là, mesdames et messieurs, nous allons visiter Robben Island et c'est le salut là même qui Nelson Mandela a été emprisonné. Venez-nous. Alors là, nous montre le sabbat là. C'est le sabbat là même qui permet nous aller à l'île. So how long does it take to get from here to the island? The whole tour is 2 hours. 2 hours. Yeah. All right. Vini. Ouais,
Là, là-haut, comme ça, nous vient de jolie là. Tu as tenu? How are you doing? Good, how are you? Hey, look at that, vous êtes folk. On a relax, Ned. Alors là, c'est le premier bateau qui vient aller. Après, c'est le tout. Mais là, on est juste fait un bateau là rempli. Comme on nous paraît, il y en a une marine qui s'impose, Talen Zouen. Il y a des gens qui sont là. Wow. Talipunga, Tela Kufa, Matiba, Molumsila, Vela Bambensele, Yem Yem. A global icon, internationally acclaimed. Nelson Mandela, Dada Madiba, father of the nation. Nelson Allez, Willy, dans l'obantrace de Nelson Mandela. Vous voyez, allez, tout le monde qui est à mort dans là. Voilà, c'est un monde qui prend une bise pour nous à notre destination. Je vous disais, c'est vrai qu'il y a une place de but là, non? Et pareil que Madame Maurice, même on gagne une petite place à bord, non? Good afternoon, ladies and gentlemen. How is everyone doing this afternoon? That's good. Welcome to Robben Island. Le bâtiment canadien, voilà. C'est même qui, ban famille, ban prisonnier, ban avis ici après cette visite. C'est un prisonnier et ce qu'il nous fait là, nous fait un détour l'île là. Après, Bissal, il faut qu'il nous que de prison high security. Alors, quand nous faisons passer là, c'est ça même le high security prison. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien prisonnier même qui est sur l'île qui construit sa prison. Donc, ce cimetière-là, là, c'est ici même qu'ils ont tué en terre, ben, du monde qui gagne la lèpre. Now, ladies and gentlemen, we are just arriving at Robert Mangaliso Sobukwe's complex. The house that you are seeing outside with the white barrel outside, that's where actually Mr. Sobukwe spent 6 years being here on the island. Then after 4 years, as he was here for 6 years, he started showing some signs of becoming mental ill or being disturbed as he was not communicating with anyone. Then they started inviting his family. Family of Sobukwe, they were allowed to be on the island, but not at the same house as Mr. Sobukwe. Alors là, ce qu'on a trouvé là-bas, là, c'est pas une cellule de prison, non, mais c'est dans la case des chiens. Avant, dans le code, tu ramasses des chiens là-dedans, et ce qui vraiment touche moi, ce que mon apprend là, c'est que ça dans la case des chiens qu'on a trouvé là. En fait, les plus grands qui c'est l'île dans laquelle Nelson Mandela peut rester. Là, ce qui nous a guetté, c'est place que tout le prisonnier politique qui peut travailler. Et quand Nelson Mandela est là, il peut travailler 8 heures par jour, tous les jours, avec 15 minutes de break seulement. Et il travaille comme ça pendant 13 ans. Sa cave que je peux trouver là-bas, là, c'est là dans qui est le prisonnier, je peux prendre 15 minutes de break. Et sa bande pierre que je peux trouver là, là,
C'est Nelson Mandela qui met sa première là-bas. Après, un par un, tout le monde prisonnier politique qui vient, ça qu'il il met pour jeu. Le bâtiment que je peux trouver là, c'est une église en fait qui va être construite. Mais à l'époque, je ne peux pas seulement servir comme une église, mais c'est là-dedans même qui va le docteur venir et je peux traiter des gens qui tiennent à la lèpre. Alors, c'est l'église qui nous peut trouver là, c'est une église qui, à cela, je servis une seule fois par an, le 14 février. Et les touristes qui viennent, ou n'importe qui s'en a dans l'Afrique du Sud, ou peu importe que ça, je book cette date et je viens marier ici. Alors, sa prison là, c'est ici que tout le monde criminel peut rester. Et je vois que tu peux gagner accès. En fait, là, il y a plusieurs prisons et chacun peut rester de ce côté. Là, c'est une ancienne école qui est fermée. Et c'est bon de savoir qu'il y a à peu près 200 personnes qui vivent ici et il y a des enfants aussi. Mais le fait qu'ils peinent à ses enfants, je ferme l'école là. Alors, les enfants, ce qu'ils font, c'est que tous les grands matins, je suis à Cape Town, je prends le bateau, je suis à Cape Town. Vous êtes à l'école et tous les temps, vous êtes retourné. Et c'est comme ça que je gagne cette éducation. Alors là, nous arrivons presque à la moitié de l'excursion. Et je vais dire que Nelson Mandela est mort. Et quand il raconte moi, sa histoire là, c'est vraiment une sentie, une émotion. Et je sens que c'est une place qui vraiment il y a beaucoup d'histoire derrière. À mon petit maman m'a fait une photo, moi je suis retourné. C'est Simniki, oui, c'est lui-même le guide aujourd'hui. Simniki, how did you memorize all of that? Basically, the information, I can say I started from university. Yes. Also from a bit of Robben Island, as they did a two weeks training. Yes. And then I memorized everything within a week. It took me a week to know basically the more information about Robben Island. Because what I like about you is that the fact that you're giving the right information, but you also say it with emotion. Like we can feel what really happened here. And I want to congratulate you for that. I know during the struggle, I was not there. Yes. I've never faced the struggle. Mm-hmm. But the history, when you are told from different generation, from our mothers, from people who lived it, who definitely knew about it. And they felt it. Mm-hmm. And when you talk about the history, something that happened, it's not a fake, it's not something that it just came. Yes. It's something that happened, mm-hmm. that when you give the information to other people, they need to believe you as well. Yeah. So therefore, what I was saying in the past, it's actually the history of South Africa, the history of Robben Island. Hello, my camarade, si je viens en Afrique du Sud, à Cape Town, je viens venir au Robben Island pour venir découvrir sa histoire qui est là de Nelson Mandela et ben les autres prisonniers politiques qui sont là ici. On arrive devant la prison de haute sécurité que Nelson Mandela a enfermé pendant 27 ans. Et à ce moment-là, nous parler, nous pourrons entrer là et nous pourrons regretter à quel point ce civil est. My time in this prison goes back to 1984, doing a 5-year sentence, having been arrested, charged for being a member of African National Congress. First few weeks, subjected to extreme forms of torture used by security police. So once arrested by those guys, you'll know what's going to happen. Now when it comes to torture, these guys will use things like electric shocks, will use things like wet towels to suffocate you. Thank you.
I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Là, alors, c'est mon premier night out dans Cape Town. Et c'est une soirée spéciale parce que nous avons le carnaval de Cape Town, qui est un événement annuel que tout le monde attend. Et c'est que mon cas, j'ai toujours en marchant là, c'est qu'il fait une finie, comment on se fait bien, bien frais, avec une marée beaucoup brouillard. Vous voyez ça brouillard qu'il y a devant moi là? C'est la dame qui nous fait aller, c'est la dame qui est dans le carnaval. Voilà, nous sommes arrivés, le carnaval juste devant nous là. Et bon, il y a là, il y a du monde partout. Normalement, pour ce festival-là, nous attendons à peu près dans les 40 000 du monde. Et, mais toujours faire un petit frame, on gagne un cahier. Mais pour, avec l'ambiance, tout ça là, nous vous serions là. Welcome to Cape Town. Let's see you smiling. Put on your dancing shoes. Cape Town, welcome to you. Majorette qui m'a trouvé passer devant moi là, je vais avoir un bâton dans l'air et maintenant Marie-Paul parce qu'il n'y a pas un là donc ils ont pas besoin de tomber dans l'air là. When you come to Cape Town, the city by the seaside. Alors voilà, ma petite mamzelle, je vais passer avec votre bande pavillon bien sérieux, avec juste derrière, maintenant je vais venir avec ce bande déguisement. L'ambiance extraordinaire ici, mesdames et messieurs. Là, c'est là Thierry Loul qui veut venir, mesdames et messieurs. Get some dragon sinon là. Waouh! Check ça, get ça. Première fois, vous trouvez un dragon sinon à sa longueur là. Là, c'est ma petite panda qui peut venir interagir avec la foule. C'est à cause de ça que vous avez fait crier comme ça. Demain, il y a des gens qui ont fait la place pour ces mains. Et il y a des gens qui ont besoin de montrer nos pieds et tout. Et là, nous sommes en registre. Nous verrons un peu dans les affaires un peu plus africains. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up. Là, c'est que Devin Lillard, c'est un pâtissier, mesdames et messieurs. Avec ce chicamois dans zone, moi, on connaît qui était. Et Lillard, il peut bien se mettre au tilo, dans le tour là-bas. Level up, 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 level up. Là, on a l'impression que c'est un train ou bien un bistop, moi, pas sûr. Et en fait, c'est un métro. Eh, mais, bientôt, nous, si nous venons à venir là. Du monde, mon grand cas c'est pour vous que tu l'aimes mon caca. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Là, nous quitte le carnaval, une maman, enfin parce qu'il est fini, et mauvais mari fin, nous avons une affaire, et comme je disais, Dave, il est mari romancé ici, et sur qualité mari bon. Donc là, mon frère me poil vers un tiram steak. Pourquoi ça même plus joli menu qui m'ont trouvé dans mon avis, ça veut dire ça. Beef, beef, agneau, ça va qu'on est quitté. Burger, poule, pork, tout et nada là. Manque 10 fruits de mer, après nous serrer, y'en est. Là, on
là-bas, ce qui est super intéressant, c'est que tout ce qu'ils m'ont trouvé dans le menu là-bas, là, ben, tout une partie de bœuf et de porc et d'agneau, mais tout ça là, on peut retrouver ici, ou choisir ce qu'ils ont envie de manger après avoir ce prix dans le menu. Sorte là, c'est ça qui m'a voulu manger. Vous qu'il y ressemblait, cri, t'allais nous guetter quand il finit cuit, maillette. Là, il fait le promo là, viens, il va préparer ça. Would you like it to be a little bit challenging? Okay. What do you use as sauces on the meat? Alors là, évidemment qu'ici, pour bien un goût, la viande bien comme on a besoin, c'est le marinade qu'ils ont mis, c'est de l'huile d'olive, du sel avec du poivre. Alors, ça fait la préparer là, vous êtes. Là, ce qu'il va faire, tu mets de l'eau du feu, 2 minutes chaque côté, un petit, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, ça même assez. So this is the wing rib, eh? Yes. So where it comes from? It comes from, you know, where the ribs are. Alors, là, évidemment, qui sa partie bœuf que vous mangez là, c'est une côte de bœuf. Et qui, tout bon la viande que vous demandez ici, c'est des animaux qui grandissent. Et je demande des affaires naturelles. Et puis là, non, il n'y a aucun nom, aucun bon affaire là-dedans. C'est celle base, le Cape Town qui servit ça la viande. Thank you. Bien évidemment, moi, dans l'Afrique du Sud, il y a des gens comme ça qui se vendent du raisin maribon ici, des tingou. Ouais, voilà, tu as raison, c'est du raisin. Top. Ça, c'est un entrecôte de Maurice, appelle ça top side. Maribon. Pourquoi mauvais récicier, moi hein? Pas vrai, tout là. Ça goût là, ça part enfin là, ça va de saveur qui est là. Extra. C'est bizarre de venir, viens goûter ça. Goûte à tout. Oh, ça va bien manger, Marie bon. Température est rebaissée de haut, brouillard partout. À ce là, moment, c'est me retourner. Je vais donner un petit guide, nous allons après. Salut tout le monde. Bon, on a une petite surprise pour vous. C'est le caméraman qui rentre dans le hub. Non, c'est dès que vraiment on se sent perdu, on se sent. Good? Yeah. Tu peux être un, donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Marito. Cédric, t'es bien? Ouais. Drone Zodi? Good job. Je suis à manger un pavé gaba. Ah non! Cool. Mais écoute, la crème! Je vais tester la food! Takeaway! Clairement, mais takeaway! Pour gagner un super voyage pour deux à Cape Town, Afrique du Sud, et découvrir comme moi ce merveilleux endroit, c'est simple. Répondez à la question suivante. Dans quel pays je suis allé à l'aventure dans Goûte à tout saison 2? A. L'île Maurice. B. L'Afrique du Sud. Vous avez la réponse? Munissez-vous de votre carte UnionPay International, un reçu d'achat et rendez-vous sur notre page www.goûteatout.com. C'est simple comme un clic. Bonne chance à vous!
Salut tout le monde. Bon, on a une petite surprise pour vous. C'est le caméraman qui rentre dans le Havre. Non, ça veut dire que vraiment on se sent perdu, on se sent... Good. Yeah. Donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Marito. Cédric, t'es bien? Ouais. Drone Zodi. Good job. Je suis à manger un café kappa. Avec quoi? La crème. Je vais tester la food. Takeaway, je vais manger takeaway.